Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. On se retrouve sur PwnCube pour un petit épisode pillage, du moins je l'espère. Alors du moins je vais essayer, j'ai déjà un plan de ce que je veux faire. Maintenant il faut juste évaluer si ça va fonctionner ou pas. Alors, on va aller voir ça maintenant, on va juste prendre du fer. Je vais vous montrer tout ça, ça nous prend du fer. Et bien entendu pour faire un minecart NT, je crois que ça prend du fer pour faire un minecart, je suis pas certain. Je sais pas exactement le craft du minecart, mais bon. On va trouver comment ça se fait et puis puis voilà, on va crafter ça puis on va aller faire ce qu'on a fait hein, mes amis. Comme ça, voilà. C'est comment? What the fuck? Ok. Ok, ok. Faut crafter les minecarts puis après mettre la TNT. Ok, ok. Ok, ok. Tout s'explique maintenant. Voilà, voilà. Voilà où? Hop là, il faut les mettre en lien en plus. Ouh, Chris, c'est fancy cette affaire là. Ok, good, 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 good. So, on va faire ça. On va acheter les deux TNT qu'il y a là. On va prendre nos rails. Et puis on va y aller où est-ce que j'y ai été. C'est Home XD. Puis on va aller faire ça, mes amis. J'espère du moins qu'on va réussir. Ce serait chill de réussir. So, je vous explique le plan de match. Ok. En gros, là-bas, regardez comme vous pouvez voir, il y a une base. Moi, ça serait de faire tomber le truc sur le côté, du moins essayer de la faire pousser là, faire péter, ça serait nickel. Mais bon, je pense pas qu'on va réussir, mais on peut quand même tout de même essayer. Faut essayer de la faire monter en haut d'une montagne pour pas qu'on ait à le faire descendre, pour pas qu'il tombe. So, je pense que si on le fait ici, passe ici, ici ça va être borderline, je pense que ça va tomber dans l'eau. So, en gros, l'option qui me resterait, ce serait là-bas de voir. Mais si on regarde le F-map vite fait, par là-bas il y a plein de claims, tandis que là il y a moins de claims. So, je crois que c'est vraiment ici notre seule option. Par là, peut-être vite fait ici, l'amener tout là jusqu'à là. Ce serait ça l'option que j'aurais en ce moment. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. So, maintenant, on y va. On va placer un marquant TNT, ça. On va le pousser comme ça jusqu'à ce qu'il tombe. Puis quand il va tomber, en gros, on va... Il sera pas long, inquiétez-vous pas. Ça risque d'être long. En plus, ça fait des méga explosions, ça, à ce que j'ai pu comprendre. C'est deux fois plus gras comme explosion. On va essayer de tasser un peu. Voilà. Faut pas qu'il s'en aille droit dans l'eau. Comme ça. On va y arriver, les amis, inquiétez-vous pas. Oh là là, j'espère du moins, hein. Ok, c'est bon. Maintenant, faut juste aller droit, mon ami. Va-t'en un peu par là, s'il te plaît. Et voilà. Chris, c'est pas si facile que ça. Hein. Moi, je pensais que ça allait être facile, mais au final, pas tant que ça. Hein. C'est assez compliqué. Puis après ça, on va l'activer avec l'arc que j'ai dans la main, les amis. Hop, là, par là, mon ami. Allez, allez. Hop, là, allez par là. Allez, t'es capable. T'es capable, mon ami. Hop là. Oh oui, t'y arrives, vas-y. Lâche pas, je t'encourage à continuer tes rêves. Ok, concentration extrême. Ok, vous êtes prêts? Damn! Tout ça pour ça, qu'est-ce que ça l'a fait? Tout ça pour ça? Wow, what the fuck? Damn, girl. En gros, aussitôt que ça touche le sol, ça l'explose. So, en gros, il faudra le faire exploser plusieurs fois, je crois. Comme on peut voir là, en plus, il y a de l'eau. Damn. Je sais pas comment on va faire ça les amis, j'ai hâte de voir. On va essayer Home XD, on en a d'autres, on va essayer ça. Je vous retrouve quand ça marche à la tout de suite. Ok, donc les gars, je suis bientôt rendu. Damn! Ça m'a encore fait péter un peu à côté. Shit! On y retourne. A tout de suite. Ok, re les amis.
Voilà, le cheval il va pas embêter notre TNT. Ok. Est-ce que j'ai pu voir, on a réussi à faire le dommage. Oh, on peut entrer, c'est bon. Ok. En gros, c'est de l'obsidienne. Ça, c'est easy, use bugable. Ensuite, il faudra juste réussir à... faut évaluer ce qu'on pourrait faire. Mais normalement... Je dis bien normalement, les amis. Je vais voir si c'est eux qui nous ont mis ennemis. Neutral. F neutral. C'est quoi le nom de leur faction? F map. F neutral. Stray. Finch. Ok, c'est eux qui nous ont mis. Ça va être un peu hardcore. Fait ok, on va faire la même chose. A tout de suite. Yup les gars. So, avec les TNT qui ont tombé, j'ai réussi à rentrer, monter ici. Et puis regardez ce que j'ai trouvé les amis. En fait... quand on monte ici, il y a de la stone ici. So, je vois une solution pour pouvoir casser ça. À faire péter là, faire péter là. Ici, on aurait un trou pour rentrer dans la base. Puis ensuite, lancer des camarades 4 à TNT en direct sur la base. So, mon option est la suivante. Je regarde les coordonnées qui sont en exactement 528 et 5000. Ok, ok. On va au spawn. Slash spawn. Yo, l'ami. Yolo, voilà. On essaie de faire ça. Si ça marche, on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Vas-y. Ah, le PD. Non. Fils de pute. Si ça marche. Normalement, ça devrait percer le mur. Et ça devrait s'allumer après. Non, mon pote, si ça marche, mon pote. Ah, je te suce la bite, hein. Bon, en plus, j'ai même pas bien placé le micro. Ah, ça marche. Yes, ça a marché. Non. Attends, j'ai même pas placé bien le micro et tout. Non. Eh hey, mon pote, on fait ça pour rentrer dans la base, mon pote. Oublie, hein. Mais attends, par contre... il faudra faire avec des éponges. Où on peut... Mais ouais, des éponges, faut faire avec des éponges, non. Ouais. Oh, mais ça les éponges, on peut pas les déplacer, qu'elles absorbent l'eau après. Si, quand elles absorbent... Mais quand elle absorbe l'eau, elle pourra plus en absorber d'autres, en gros. C'est juste ça, le problème. Ça. Mais oui, elle va pouvoir se déplacer encore, je crois. Ouais, t'inquiète. Au pire, tu fais un test. Alors fais en un fait, test. Parce que regardez, sur le toit, je sais pas si vous avez vu, il y a que quelques sources d'eau. Mm-hmm. Tu veux passer par là? On fait 2-3 éponges, on enlève toute l'eau de la base. Vas-y. Bah attends, je vais aller voir. Je vais juste enderpal à la base. Ah, trop bon. Ah merde, j'ai fail. Ah oui. Ah mais au pire, j'ai un home dans la base. Ah ben, c'est bon, j'y suis. Pas totalement haut, mais j'y suis une bonne... Chercher des enderpal à la farm. Vas-y. Amène-en quelques-unes, ouais. Ouais. Je ramène 2-3 stacks s'il te plaît. En gros il va falloir qu'on achète la masse de slim block. Il y en a des stacks et des stacks mon pote, on a genre 2 stacks de 64. Ou même 3 je crois. Ouais mais bon ça va vite. Ouais. Je te les prends. Eh hey, mais mon pote c'était trop OP ton truc, hein. Sérieux, je te suce la bite mon pote. Là. Je sais qu'il y en a en bas, attends il y en a en bas. Il y en a dans un coffre aussi je sais. Il y en a en bas dans le coffre sécu. Bref les gars, moi je vais vous retrouver pour une autre séquence après, dans le fond je vais pas vous laisser attendre tout ça, ça risque d'être trop long. Fait qu'à tout de suite. Nickel. Nickel. Et là, ça marche. Yes. Non. La source se refait, mais on a un bout libre. C'est bon, tu peux faire péter. Mais attends, fais-en un peu à côté. Faudrait juste que t'en fasses juste un petit peu à côté. Pour couper la source qui serait là. Ouais. Parce que la source, elle est en plein là. Ouais, mais le problème, c'est que ça va bugger avec les bugs de reste. La bugger. Ouais, en gros c'est un terme, c'est à dire que le piston va se rétracter alors qu'il devrait continuer. Parce qu'il va trouver une autre source de flux et... Bref. What the fuck, ok. Bref, en gros tu vas avoir le... En gros ça va l'alimenter, ouais ouais ok, ouais ça va l'alimenter. Attends, tu le décales le 2. Faut que je le fasse ici, sinon en fait il va se coller à l'autre. Ouais voilà ça. Ou sinon tu le décales le 2 par l'autre côté. Par ici, Squirt, je crois que c'est mieux. Il y a tellement aggro. Attention, ouais, mais... nous faisons lag le serveur. Ah non mais hier c'était énorme. Voilà, c'est bon. Oh non, il y a encore un morceau de bois. Non. Mais c'est nickel, ça va couper un petit peu l'eau et la TNT va se poser. Regarde. Yes. Yes, biatch.
Mais what the fuck? Voilà. Ça l'a même fait péter l'obsidienne au-dessus. Ah non, de la vitre. Ah bah nickel, on peut entrer par là. Ouais. Mais bon, maintenant, il faut... C'est pas là qu'il y a les coffres. Ouais, les coffres sont au-dessous. Mais il faut couper les sources d'eau du dessus, les gars, sinon on n'y arrivera jamais. Après, ça va être easy après, mais voilà, faut commencer par les sources d'eau du dessus, je crois. Non. Parce que les sources d'eau, ils vont... Aussitôt qu'on a libéré ce mur-ci, je sais exactement l'étage des coffres, j'ai un home dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les boutons. On va savoir. Check, les coffres sont tous ici, mon pote. Il y a un max de coffres. Ouais, c'est le paradis ici, mon pote. Sans deck. Pareil. Dites-moi, à quelle couche sont les coffres? La couche... couche... 68. 68, ouais. 68, mais il faut couper l'eau avant, en dessus, c'est juste le seul truc, mon pote. On coupe l'eau et voilà. Mais parfait, parfait, non. Ils sont là les coffres. Allez, à tout de suite. Et yo, what's up les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve en fond à la fin de la vidéo pour juste vous dire que l'épisode a été un épisode un peu bizarre vu que c'est deux pillages que j'ai fait, mais je comptais quand même vous les présenter parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer même que parfois j'y arrive pas, que je suis pas parfait, que je fais des erreurs, que je connais pas tout, et puis vous allez pouvoir me donner des conseils peut-être pour les piller ces bases là et puis qu'on pourra peut-être y retourner ensemble ou moi seul avec mes amis pour pouvoir la piller dans une autre vidéo. Sur ce les amis, si la vidéo vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu, ça m'a fait méga plaisir de tourner cette vidéo là avec Etienne, Monsieur Squid et puis moi-même vu que j'étais tout seul dans la première rec, mais dans le deuxième et voilà voilà, enfin bon. Pour les trucs en redstone les amis, je vais vous expliquer ça tout dans le prochain épisode. Alors, on a plein de systèmes à cause de Monsieur Squid qui est un pro de la redstone, on a trouvé plein de systèmes, plein de trucs automatiques dans notre base. De toute façon c'est l'épisode numéro 10, le prochain épisode, et je compte peut-être vous présenter toute la base et toutes les capacités de la base. Sur ce, c'était Icon, le Pikachu de l'internet, laissez un pouce bleu, ciao.